L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromédé, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Infoline. ESAE Gbedjromédé, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho. Ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa. Au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi. Au plus 229 52 88 44 44 Parakou. Au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence a un nom. La définition du jour avec vous, Francis Fahmy, bonjour. Bonjour à vous, Kader. Merci d'être installé à Tifa Olafa, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Francis Fahmy, ce matin, l'expression c'est avoir l'eau à la bouche. En effet, Paul Bocuse disait ceci, il n'y a pas de bonne cuisine si au départ, elle n'est pas faite par amitié pour celui ou celle à qui elle est destinée. À toutes et à tous, bonjour. L'expression « avoir de l'eau à la bouche » signifie « susciter de l'envie ». Cette expression nous viendra du 15e siècle et tire son origine d'un phénomène physique qui est commun à tous les êtres vivants. En effet, lorsqu'attirés à table par la faim, nous sentons un délicieux fumé. Ceci stimule nos glandes salivaires qui produisent instantanément cette eau dans notre bouche. L'expression s'est ensuite étendue à quelque chose qui donne envie. Donner l'eau à la bouche veut dire faire saliver, aiguiser l'appétit, ou susciter un grand intérêt. Cette expression fait référence également au fait qu'on salive d'avance quand on voit un plat qu'on a envie de manger ou qu'on y pense. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. À la prochaine. Qu'est-ce qui vous donne de l'eau à la bouche ce matin? Ce matin, j'ai plutôt envie de manger un bon plat de semoule, accompagné d'une bonne sauce. Donc, quelle sauce par exemple la plus bonne? Une sauce tomate. Je pense que ça irait. Une sauce tomate avec un peu de crin-crin. Avec de la viande ou du mouton? Oh, plutôt du viande. Mouton ou du poisson? Non, j'aime pas trop le poisson, je préfère du poulet. Du poulet? Oui, j'aime mieux. Vous avez aimé. À Tifa Olafa, qu'est-ce que vous donne de l'eau à bouche matin? La pâte noire avec une bonne friture d'escargot. Une bonne friture d'escargot, de quelqu'un. Ce matin, hein, oui. Vous ne prenez pas du café? Non. Alors, le café, c'est pour les personnes de là-bas. Mmh. Les gens de chez nous ici, là, non. On en aime plus commencer les choses avec un peu plus de... Avec de vigueur. Comme le dit chez moi, avec du okeli. Du okeli. Donc vous le faites ainsi en toutes circonstances, en tout lieu. Ah, toujours. Toujours. Merci à vous, Francis Fahmy. Restez avec moi. On retrouve à Tifa Olafa juste après le jingle suivant pour les trucs et astuces.